Bonjour ma petite sucette, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui je suis là pour vous montrer un petit truc que j'ai gagné à la Bourse Pop ce week-end. J'ai gagné la Treasure Box. Je vous la montre. Des vilains. Je vous la montre. Voilà. Elle est comme ceci. Je l'ai gagnée à la Tombola. Du coup, on a beaucoup de chance. On va ouvrir tout ça. Je la déballe du plastique. Oh, il faut casser. Ah non, ça va. Hop. On va coller l'autocollant comme ceci pour pas trop l'abîmer. Allez, on la découvre ensemble. Enfin, vous l'allez découvrir avant moi. Comme ceci. Allez, on regarde d'abord la pop. Qui est trop belle. Elle est trop belle. Je vous la montre. J'ai le soleil qui tape dedans. Aujourd'hui, c'est une super belle journée. On va la découvrir un petit peu mieux. Oh, elle est belle. Regardez ça comme elle est belle. Le soleil qui tape dedans. Et ben, je vous la montre un petit peu plus près. On voit bien qu'il fait très bon. J'ai le soleil qui tape dans le pop. On va juste essayer de refermer un petit peu. Voilà. Je vous la montre de plus près. Elle est très belle. Avec Tic et Capitaine Crochet. Elle est belle. Je ne sais pas où je vais la mettre. C'est quand même énorme. Son chapeau est toujours aussi énorme que dans les petites Mystère et Mini qui est juste là. Je l'attrape, c'est le même chapeau, même détail. Voilà le petit et le grand. Toujours un très imposant le chapeau. Il est beau le toc. Je vous montre comme ceci. Par contre, c'est un petit peu bête que l'eau est vert. Vert, je sais pas quelle couleur, vert, bleu. Ça aurait dû faire plus bleu. Ce serait été plus joli. Même les cailloux sont vraiment bien présentés. Je vous montre comme ça. Voici la dépense à côté. Alors, dans le reste de la Treasure Box, on a un petit bic du génie, ça. Non, c'est pas c'est. Ouais, c'est Aladdin. Il est marqué Aladdin dessus. Du génie. Je vous montre qu'il est marqué Aladdin dessus. Et c'est un bic. Hop. De l'hôpital collant. Voilà. Et c'est marqué Aladdin. Qui est dans la boîte. Alors, on a une petite porte-clé comme ceci. Ça, c'est mon deuxième, je pense. Parce que j'ai la fée clochette. Mais je suis moins fan de ce petit. Je mets à côté pour pas tout abîmer. Il est bien. Il est bien, bien, bien. Ah, voilà, je l'ai. Il est un peu difficile à voir dans la boîte. Je vous montre le petit. Je sais pas comment c'est qui lui. Et c'est un porte-clé avec mousqueton. On peut retirer. Hop, voilà. Il est bien fait aussi, je trouve. Et alors, il reste une petite boîte de Mystère et Mini. Bon, le suspense est à son comble. Normalement, ce qu'on a dedans. Après, la boîte est vide. Je trouve que celle-ci, il n'y a presque rien. J'aimais bien la petite boîte en fer des autres.
c'est moins bien. Ouais. Et c'est les vivants. Ça, je n'ai pas encore ouvert. J'aimerais bien. Bien sûr, je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, ça y est. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ouvert ou eu cette boîte, le Treasure Box. Ah, c'est la méchante reine de Blanche-Neige. Je vous la montre de plus près. Son nez est bien représenté, je trouve. Elle est belle. Ben voilà. Je vous la montre encore de plus près. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de défauts. Mais elle est... Je trouve qu'elle est même plus petite que la Maléfique. Que j'ai déjà ouvert sur de la box Maléfique. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite que la Maléfique. Mais elle est très belle. Mais... Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Mettez-moi un... Enfin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!